Sochaux, qui court toujours après sa première victoire de la saison, reçoit le LOSC de René Girard avec le retour au premier plan de Nolan Roux. Les Lillois qui se sont inclinés lors de la dernière journée 2-0 à domicile face à Nice veulent réagir, mais ce sont pourtant les Sochaliens les premiers à se montrer en action avec cette déviation de Contou pour Emmanuel Mayuka, l'une des recrues sochaliennes, le Zambien, meilleur buteur de la CAN lorsque la Zambie avait été championne d'Afrique. Une nouvelle alerte pour les Sochaliens, le corner est boxé par Vincent Enyama et encore Mayuka qui ne trouve pas le cadre. Après avoir laissé passer l'orage, Lille va se mettre en action. Le ballon sur le côté pour Salomon Kalou, puis c'est de fait de Zuma. Le petit ballon pour Nolan Roux. Le pointu trompe Simon Pouplein. Nolan Roux qui, pour ses premières minutes de cette saison en Ligue 1, ouvre le score pour le LOSC. Maximum de réussite pour les Lillois qui ne s'étaient pas montrés ultra dangereux jusqu'alors. Mais en tout cas, ils réalisent le geste juste, Nolan Roux. Le pointu est efficace pour éviter le retour du défenseur sochalien. Et le LOSC va pousser de nouveau. Le ballon pour Marvin Martin qui se retourne. La frappe enroulée de Marvin Martin. Et il faut une horizontale impeccable de Simon Pouplein pour empêcher le but du 2-0. Marvin Martin au corner. Et qui s'élève au-dessus de la mêlée. Une nouvelle fois, Nolan Roux. 2-0 pour le LOSC. 3 minutes après son premier but, Nolan Roux récidive le doublé pour Nolan Roux qui avait été suspendu lors des 3 premiers matchs, puis blessé. Il a fin de ballon, fin de réussite et il marque son 5e but de sa carrière face à Sochaux, son adversaire favori. Les Sochaliens vont être dépassés une nouvelle fois en deuxième mi-temps par l'intenable Nolan Roux. Une nouvelle fois, l'année passée il avait marqué ici au Stade Bonal dans la même position exactement, et cette fois-ci il bute sur Simon Pouplein. Une nouvelle fois vigilant, très peu d'action pour les Sochaliens. Une situation toutefois avec ce retourné de Roy Contou, et Vincent Enyama qui n'a pas eu énormément de travail à faire est impeccable sur ce coup-là. Le LOSC va s'imposer à l'extérieur pour la première fois de la saison et va remonter vers les sommets du classement. En revanche, Sochaux est bon dernier.